Cette cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de l'Institut de gestion en fin de cycle licence et master ici au siège de la BEAC marque l'aboutissement de l'engagement d'un parcours semé d'efforts pour ces hommes et femmes. Pour le directeur général de l'Institut, il s'agit là de la mise sur le marché de 115 lauréats avec des compétences opérationnelles susceptibles de participer activement à l'économie gabonaise. En vous décernant vos diplômes, l'INSG certifie devant la société que vous possédez les qualifications attendues pour exercer dans vos différents corps de métier. En retour, vous acceptez d'endosser le statut de diplômé avec humilité et responsabilité. Conscient de la difficulté pour les étudiants en fin de cycle de trouver un emploi, le professeur Erwin Doumé-Singon a proposé des alternatives avec un accent particulier sur l'entrepreneuriat. Le président de la transition a su mettre en place un instrument d'accompagnement à l'entrepreneuriat au service de la jeunesse gabonaise, à savoir la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon. C'est tour à tour qu'Henri-Claude Ohima, parrain de cette QV 2024, et ses filleuls ont manifesté la joie qui est désormais la leur. Dans un monde en pleine mutation, où le dynamisme économique offre d'excellentes perspectives, les économies africaines, qui recèlent d'immenses opportunités, ont de plus en plus besoin de jeunes engagés, des leaders qui comprennent les défis de notre continent. Je ne m'attendais pas à ça, à sortir major des majors. Pour ma part, je suis content et j'espère m'adapter dans le monde professionnel aussi. Parce qu'il ne faut pas seulement briller à l'école, mais il faut aussi le prouver sur le terrain. À la fin de cet événement riche en émotions, bonne nouvelle puisque le parrain de la promotion a annoncé un recrutement direct de 10 diplômés dans la holding BGFI Bank.